Bonjour, Philippe Obsommer, conseiller immobilier de la plateforme Bibonds. J'interviens comme analyste, validateur et puis suiveur des projets sur base de mon expérience de 13 ans dans l'immobilier, de 23 ans comme directeur financier. Donc ici, nous allons vous parler du projet BCV Concept à Genappe. Un projet de très grand charme puisqu'il consiste en la rénovation et reconstruction d'une ferme en carré qui était au départ destinée à de l'Horeca. Derrière BCV Concept, vous avez M. Camille Castagnier du groupe CVV, actif dans l'immobilier depuis de nombreuses années et qui possède une dizaine de sociétés actives dans l'immobilier. Il vient de finir par exemple un grand chantier à Saint-Gilles, la chaussée de Charleroi, d'une quarantaine d'appartements et 17,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais le projet, c'est la rénovation en plein Brabant Wallon, dans le triangle Braine-l'Alleud, Lillois, Genappe, proche du golfe du Lancourt pour les amateurs. Rénovation d'une ferme en carré et qui va consister en 16 unités résidentielles, 8 maisons et 8 duplex-triplex autour d'une placette. Beaucoup de charme, des superficies qui iront de 140 mètres carrés à 300 mètres carrés et à des prix tout à fait abordables. Le projet tient la route dans toutes ses composantes au niveau du prix de construction. Et comme je l'écris dans ma note détaillée, on est dans un prix de construction que je trouve assez bas, très agressif, mais qui est expliqué par le fait que BCV Concept travaille avec ses propres corps de métier, coordonnés par un chef de chantier assez exigeant. Mais dans l'analyse du risque, j'ai considéré un prix de construction légèrement supérieur. Un prix de vente tout à fait en ligne avec les prix du marché et une marge qui sera au-delà de ce qu'on attend en général, puisque moi, dans mes analyses, j'attends entre 15 et 20% de marge brute sur coût et on est au-dessus. Donc l'avis que j'ai donné au comité de sélection de Bibonds est favorable, c'est-à-dire que je recommande une levée obligataire de 600 000 euros, considérant les fonds propres déjà investis par M. Castagnier dans ce projet. Et le comité de sélection de Bibonds a validé le projet tel que je l'ai recommandé.